Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily, comme d'hab sur cette chaîne. En fait, sur une chaîne qui se prénomme Lily, ça me paraît très compliqué que ce soit quelqu'un d'autre le personnage principal. Si c'est mal cadré, vous m'en voulez pas. C'est la première fois que je fais un vlog comme ça et je filme avec mon téléphone, avec le dos de mon téléphone pour que la qualité soit meilleure que la caméra avant. Enfin, vous connaissez, pour tous ceux qui ont un téléphone, c'est souvent la même chose. Enfin bref, c'est ma première tentative de vlog. Là, j'ai une tête de chauffeur, j'ai pas encore dormi. J'ai mon train qui est à 11h02, il est actuellement 10h13 je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai déjà réservé mon taxi, il est censé passer dans 30 minutes du coup, 25 minutes, j'en sais foutrement rien. Et comme je serais de faire cette vidéo, je dois l'avoir l'heure d'une de lui. Bon, c'est pas grave, allez, on continue. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, j'ai préparé toute ma valise et tout pour arriver pour le salon de l'agriculture, qui est du coup du 26 au 6, 26 février au 6 mars. Sachant que j'enchaîne instantanément avec la TVG, un événement caritatif qui se déroule en Belgique auquel je suis invitée. Donc en fait, j'ai tout mon setup dans ma valise, mais j'ai déjà plus de place. Ce que j'ai mis genre... même pas 7 t-shirts, sachant que je reste plus de 15 jours hors de chez moi. Donc ça va être giga compliqué. Ça, c'est des problèmes de cons, ça. C'est vraiment des problèmes de cons, je me plains toujours pour rien, moi. En tout cas, j'espère que ce vlog va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter les moments que vous avez préférés. Ou au contraire, si vous avez des petites astuces pour moi, pour peut-être améliorer la qualité du vlog. J'ai giga mal au bras, là, je vous jure, je vais pas tenir. Pour améliorer la qualité du bras. Ok, cut. Stay just for a while. We can work this out, we can make it right for tonight. Now, so baby, we can drive down the west side. I want to see the blue waves passing by. You feel me and I feel you tonight. So baby, we should take a drive. So baby, we should take a drive. Bon, du coup les amis, je suis à la gare. Je vais vous mettre avec le son le passage juste avant. En fait, j'ai failli faire une bêtise avec les dames. Je pensais qu'elles pensaient que le téléphone était perdu. Enfin bref. Du coup, là, j'attends mon train. Il est 11h pile. Mon train est à 11h02. Mais j'ai reçu un message comme quoi il est en retard. Donc j'ai un petit peu le seum. Mais voilà, je vous tiens au courant. J'espère que ce début de vlog est bien. L'autre jour, j'ai giga honte de faire les plans que je vous ai fait en mode, vous savez, je marche toute seule. Et après, j'attends sur le banc. Bah voilà, je suis giga stressée. Mais. Je vois ça dans tous les vlogs, donc je me dis vas-y, c'est des choses à faire. Enfin voilà, j'espère que la suite sera autant divertissante. Bon, du coup, j'ai une histoire à vous raconter. En gros, à la gare de Vichy, il y a des panneaux comme dans toutes les gares qui expliquent de quel côté, par exemple, le wagon 1 et de quel côté le wagon 16 par exemple. Ben, figurez-vous qu'ils ont inversé et qu'ils n'ont pas attendu plus que ça, que les gens aillent de l'autre côté. Du coup, on a dû monter dans le train, les portes sont fermées et on a dû faire genre du coup tous les wagons de tout au bout jusqu'à là, parce qu'en plus je suis wagon 16, donc je crois que c'est l'avant-dernier. J'ai fait tout le train avec ma valise en poussant à travers les sièges. Trop cool. Ça fait plaisir de se mettre. Passing by.
Bon, les amis, il est quelle heure? 19h30. 19h30, j'attends toujours ma mère. 18h30, j'attends toujours ma mère. En plus, elle va un espèce de cabaret ce soir. Je suis trop explosée pour y aller, dans tous les cas, je suis même pas invitée. Voilà, c'est grave cool. Mais là, j'attends ma mère parce que je veux la voir et je vous donne l'update dès qu'elle arrive. Les gars, ça y est, il y a ma maman qui arrive. Du coup, je vais filmer la rencontre avec ma maman. Voilà. Ça se trouve, elle est là dans 2 minutes et j'aurai plus de place dans mon téléphone pour filmer. Imaginez cette cut au moment où elle ouvre. Parce qu'il y a marqué Rome d'Amoiseau dessus. Sur YouTube, ça passe? Non, il y a marqué Rome d'Amoiseau même sur YouTube, t'as pas le droit. En fait, attends, porte-le à l'avant. Il y a marqué Rome. Ah ouais, ça ne parle pas, c'est bon. C'est bon. Mais en fait, tant que tu vois pas le Rome, c'est bon. Bon, ouais, ils vont pas me prendre la tête pour ça. T'es belle quand même, maman. Montre-nous ce pull. Ok, ne nous montre pas ce pull. Départ pour le salon, je vous retrouve. Cut. Faut que je fasse les rushs et les dérushs et après je sais pas comment je vais faire parce que ma vidéo elle fait déjà 7 minutes. Bonjour, présentez-vous monsieur. Bah, attends, mais c'est parce que t'as regardé ma story que tu dis ça? Mais bien sûr. Mais putain, j'avais pas capté. Ah, bah ouais. Monsieur, ça vous fait quoi de prendre les escaliers alors qu'il y a un escalator? Il est à moitié italien. Regarde, c'est dernier. Je sais. On a discuté tout à l'heure de tout son attirail de Nantes. C'est italien, en fait, je lui ai demandé si ça s'appelait Dieu, il m'a dit qu'il n'y avait pas que. Il est ramassé, mais. Thank you.
Les amis, je sais même pas si vous allez m'entendre. Je suis littéralement éclatée. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis cassée en deux là. Enfin, si j'ai dormi, mais pas assez pour rattraper le nombre de sommeil qui me manquait. Là, il est 18h30, on ferme à 19h. J'ai hâte de rentrer à la maison pour faire du montage, manger, bien évidemment. Et même si juste avant vous avez vu la séquence de ce que j'ai mangé ce midi, en vrai j'ai pas beaucoup mangé, la fondue ça me tue l'estomac, je sais pas pour vous mais ça m'a mis en PLS moi, donc voilà. Et du coup j'ai hâte de dormir surtout, et j'espère pouvoir dormir ce soir parce que ça veut dire que j'ai vraiment un cycle de merde si j'arrive pas à dormir. Les amis, il est actuellement 19h donc l'heure de fermer et bah, on n'est pas prêt de rentrer. Le briefing de la journée, t'en penses quoi? J'ai mal aux jambes. C'est tout? Putain, c'est lourd de gérer des alcooliques. Warning crotte, faut esquiver. Esquive, crotte. J'ai fouté ça au montage, vous inquiétez pas. C'est faux, vous verrez la crotte. Ça va, ça ressemble à certains de tes plays sur... Apex? Ouais. Super. En gros, joue comme de la merde, j'ai capté. J'ai vu, pour une fois que tu comprends. Maman! Dame, pourquoi on a couru? Alors, j'ai voulu faire le mec. Ouais. Le problème, c'est qu'un masque, c'est compliqué de courir. Attends, je te demande pourquoi on a couru, t'as dit? C'est ça ton excuse? J'ai voulu faire le mec. Ok, ton excuse, c'est que j'ai voulu faire le mec. Yes! Là, j'ai zéro flow de comme ça. Bon, quête. J'ai pas de pote, toute la journée je suis en slibar, je pense qu'à elle. Je pense qu'à elle. Je la trouve hot, mes sentiments sont si hard. Ah oui, c'est hard. Et je pense qu'à elle. Je pense qu'à elle. Elle m'a dit, t'as dans le fou, je suis pas ta mère, gros. Fais-moi du le ça dans le merco. Ouais, roule à 30, s'il te plaît. Ils ont pas pris la blague. Il y a personne qui rigolait. Merci pour votre participation. Je vais payer, moi, à la fin. Je suis pas payé non plus. Elle va me casser les couilles, la commu, là. Pensez à faire un vlog. Alors que là, il y a des... Genre, là, c'est un passage qui vous intéressera pas dans tous les cas, tu vois. Ça se trouve, là, vous allez vous taper 30 minutes de vlog. Vous allez dire... On l'a forcé pour rien parce que c'est de la merde. Mais c'est de la bonne de perdre. Mais tu l'as même pas vu. Je l'ai vu, c'est déjà ça. Bon, du plus en like vu qu'il a t'as capté. Parce que je suis trop PG là. Maman, est-ce que ton fils est PG?
Parce que je suis dégénère. Oh merci. Et moi? Ça existe pour les femmes. Elle est belle gosse. Du coup, beauté. Beauté? Beauté géniale. Ok, à nous de noter maman. À nous de noter maman. Ma mère, elle a 35 ans. Bah moi ma mère, je suis obligée de dire qu'elle est belle parce que je suis son portrait craché. Voilà. Voilà c'est ça. C'est Tristan, il peut pas... mon frère du coup il peut pas dire que mon père il est laid parce qu'il est son portrait craché. Et moi ma mère, bah je suis elle un peu plus jeune. Non. Un peu plus jeune. Bah quand t'étais belle t'étais incroyable. Et quand t'étais belle, t'étais incroyable. Quand t'étais jeune, t'étais incroyable. Oui, je suis sûre jeune. Je suis sûre de toi. Ouais, t'es ma soeur, pareil, pour te battre les couilles de moi. Bon, bah, je cut. Deuxième journée, sauf que là il n'y a personne au stand et il y a assez d'étudiants pour s'occuper. Il y a quand même pas mal de monde. Oui, bon. Une journée familiale. Voilà. Donc là, le programme, on va voir les Bretons parce qu'on a des copains bretons qui ont des stands. Du coup, on va dire bonjour aux collègues des années précédentes. Voilà, voilà. Ça y est ? Ouais. Vas-y, écoute. Vas-y, maman. T'en penses quoi ? Allez. On est mis sur moi. Les amis, nous sommes... je sais pas où c'est. Il y a de la choucroute. Et nous, on prend du jarret. Brésé. Ce que Maté, la taille du jarret. La taille de nos têtes, littéralement. Tiens, beau. Tout gris, ouais. Énorme. Bon appétit. Ce que tu peux. Je crois qu'il y a un fan à toi, fun, genre fun, parce qu'elle connaît pas le vocabulaire des gamers. Bref, du coup, je sors et là je vois qu'il faut Rasco, c'est Rasco qui est venu me voir. Bah, ceux qui se foutent dans mon chat, vous voyez très bien le pseudo, sinon bah voilà. Du coup, j'ai vu mon premier abonné. Du coup, je suis très contente et je fais ça avec un verre de jus. C'est quoi? Je crois que c'est Orange Passion. Donc. Merci d'être venu me voir et pour les prochains, n'hésitez pas, c'est avec plaisir, j'ai été super heureuse. Regardez-moi ça. Comment ils sont beaux. Ils sont immenses surtout. Bonjour monsieur ou madame. Ok, au revoir madame. Bonne nuit. Deuxième jour, briefing. C'était comment? Comme les joues ici.
Silencieux. Bon, du coup, aujourd'hui, on a fini beaucoup plus tôt. Il est 19h30 et là, on attend cette... Cette folasse qui est notre mère. Pour aller à la voiture et rentrer à la maison. T'es en train de me filmer? Ouais, en train de filmer, ouais. T'es en train de faire un vlog sur un vlog? Cette journée, tu l'as trouvée comment? Non, ça va aujourd'hui. Ouais, c'était beaucoup plus cool que d'habitude. Couverture. C'est tout? À part épuisante, t'as rien d'autre à dire? J'ai rien d'autre à dire, je suis un thug. J'ai fait pipi. J'ai fait pipi. Non, c'est j'ai bangal la soupe noire. J'ai fait pipi. Ça va être mon rituel de chanter les musiques de Joyka quand je sors. De toute façon, je crois que c'est mon dernier jour et sûrement que le vlog va sortir après ce jour. En fonction du temps que ça fait. Donc, je vous tiens au courant sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram. Voilà, je me fais ma pub dans mon vlog qui sera sur YouTube. Allez me suivre sur Instagram. Voilà, mon Instagram sera juste ici. Mon frère, il a essayé de nous empoisonner. C'est-à-dire qu'il a pété. Il a même pas entendu que le paix soit hors de la voiture. Il est rentré avec lui. Hein. Je suis un artisan du fion. Un artisan du fion. Un homme hors du commun. Oui, bah, ton artisan du fion, je suis pas non, cliente. C'est là-bas. Non, c'est écrit sortie. Ah. C'est comme le port salut. Ok. Help. Ma Karen. Je croyais qu'il disait help. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est pas mort. Je suis toujours derrière. Je suis sûre que là je vais parler, ils vont pas m'écouter, je vais être toute seule. Mais si, vas-y, parle. On t'écoute. J'ai plus rien à dire. Ah ouais, t'as plus. Ah bah voilà. Vous m'intéressez plus. C'est tout que m'attends. T'es quoi? Tout ça parce que je suis. Qu'est-ce que t'es? Bon. Ok, quête. Les amis, je suis trop contente, j'ai reçu mon colis Level Up à Paris parce que comme j'étais pas sur Vichy, ah bah je leur ai demandé de m'envoyer sur Paris parce qu'il y a un nouveau concept chez Level Up qui sort, c'est les hydratation drinks. En gros, c'est les mêmes goûts qu'avant, mais sans caféine. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous kiffiez, là c'est le Shiny Fox, si vous kiffiez le Shiny Fox au niveau du goût, bah vous savez que les boissons énergisantes, normalement c'est une par jour, donc faut pas en abuser. Mais moi avec les hydratation drinks, vous pouvez en boire beaucoup plus qu'une par jour parce qu'il n'y a pas de caféine, il n'y a rien dedans qui peut être relou pour la consommation excessive, on va dire. Mais du coup, voilà, je vais vous montrer un peu le principe. Là, par exemple, j'ai les deux Shiny Fox, il y a le pot de 60 portions, donc là vous avez 60 portions dans celui-là et 30 portions dans celui-là. Et il y a comme ça, et normalement ça serait comme ça pour tous les goûts. Genre là par exemple, je vais m'envoyer trois goûts différents, du coup Shiny Fox, hop, je vais décaler ça ici. Là c'est le Bubble Boom, hop là, le Bubble Boom, 60 et 30 portions, comme je vous ai expliqué juste avant. Et là normalement c'est le Galaxy, je suis trop contente, j'aime trop le Galaxy. Donc là le Galaxy, donc 60 et 30 portions. Voilà. En tout cas, la semaine du 7, il y a un code promo comme d'habitude que j'ai à vous proposer qui vous offre 15% sur tout le site. Donc voilà, c'est le code, c'est le même que d'habitude, ça sera Lilith, je vais l'écrire juste là au cas où. Et voilà, si vous vouliez éventuellement goûter, si vous avez déjà goûté en fait et il y a un goût en particulier que vous surkiffiez, au moins vous savez que vous pouvez le prendre et le boire comme un petit jus toute la journée. Et voilà, j'espère que cet instant de promo dans une vidéo YouTube vous aura plu, parce que c'est la première fois que je le fais. Et je vous fais plein de bisous et profitez bien de ce giga code promo. Je suis 2, 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